Salut les amis, c'est José YTB, une petite vidéo pour vous expliquer comment changer votre objectif principal de Caio Perico si ça ne vous plaît pas. Là on va voir ce qu'ils vont me donner. On inspecte. Ouais, j'ai la tequila. Bon, on va voir ce qu'il y aura d'autre avec. Qu'il a un or, ah, pas grand chose de bien intéressant pour le moment, mis à part l'or, pas de tableau. Ah, deux ors. Deux ors, un billet, petit leader. Encore des billets. En fait, quand vous avez fait le tour, si ça vous plaît pas, c'est très simple à faire. Vous sortez des caméras de surveillance. Vous vérifiez que votre point de spawn est bien au code Saka. Là, vous changez de session. Vous changez de session, vous allez être, quand vous allez respawn dans votre code Saka, vous attendez de respawn dans le code Saka. Une fois arrivé dans le code Saka, vous sortez du code Saka. Voilà, je vais spawn. Évidemment, je vais être dans ma couchette. Allez. Direction l'extérieur. Hop là. Une fois que vous êtes dehors, vous appelez votre ami Pavel. Et vous annulez le braquage de Caio Perico, la petite alerte. Vous validez et vous n'avez plus qu'à re-rentrer. À re-rentrer et repréparer votre Perico. Voilà, c'est tout pour le moment. Salut les amis, c'était José YTB.